ndambo moke ya baluba bayokisi baluba soni na Congo soni à cause de leurs intérêts privés, de leur connivence avec les occupants rwandais et ougandais qui ont remis le pouvoir entre les mains d'un culte, Félix Tshilombo, Mpe Bango, Bajera Kambo Kanabiso, dans l'ombre. Bande ya baluba wana, oyo bazo ko betela, Félix Tshilombo, Maboko. Bato nyoso ya PPRD, sans distinction, qui ont foutu notre pays dans la merde et qui sont restés des applaudisseurs des Hippolyte Kadjambere Kanembe. Et certains parmi eux ont continué et continuent à applaudir Félix et à nous endormir. Je parle donc, il y a clique, il y a Balouba, jusseurs qui entourent Félix, les gens de PPRD et surtout la presse, animée par une bande d'ignares, de mendiants et de flatteurs qui passent leur temps à raconter des balivernes au fil des jours pour nous montrer que Félix, c'est un véritable dirigeant. Passer leur temps à applaudir la prostituée femme de Félix comme étant la distinguée première dame, alors que c'est elle qui a ravi et qui détient toute la sécurité du pays entre ses cuisses, ses aisselles et ses jambes. Et ils nous la font présenter la distinguée première dame, pendant qu'elle travaille au bénéfice de ses frères Tutsi, la distinguée première dame. Ils se remplacent l'un après l'autre pour endormir les Congolais et nous présenter l'image magnifique d'un président qui travaille, alors que dans l'ombre, ce sont les Tutsis qui dirigent le pays. J'ai toujours parlé de Bizimana Karamouetou, d'Azarias Ruberwa. Banani bazo contrôler l'immigration. Banani bazo contrôler finance. Banani bazo contrôler la police nationale. Il a tout détaillé avec des noms. Cessez de raconter des mensonges aux Congolais. Le pouvoir n'est pas entre les mains de Félix. C'est un automate. C'est un robot qu'on utilise. Attaquez-vous à Félix Tshilombo aussi. Autant que vous le faites à l'ambassade, à l'étranger, autant vous devez le faire naïe. Attaquez-vous à la caravane de sa femme, Nabato Bazali Pembeni naïe. Félix, ce que vous allez traiter, pourquoi tu ne veux pas armer la population? Maintenant, la population est debout, c'est le moment. Pour les armes que tu prétends avoir achetées. Oh, les géologues russes, Bakoumé Lubumbashi, pour venir faire quoi? Mais cessez de mentir. Bah, Congolais, ennemi numéro 1, Azali Félix. Ennemi numéro 2, Azali Batouti, oh, entouré, Azali qui gouverne Wana. Ce sont eux qui administrent, qui font tout, qui prennent le pouvoir, qui décident. Et vous, les Rwandais, je me demande si vous êtes un peuple normal. Avec tout ce que nous voyons et nous recevons comme image, bozoko koufa neti ba kankre la, et puis bozoko kako comprendre te ke bokosi la. Mais Kagame vous utilise pour totalement réduire la démographie de chez vous. Bilonde bolbaka ke, bozali minoritaire. Kagame, boye kako koufe la Congo pour na nini? Parce que vous ne bénéficiez de rien. Vous venez mourir au Congo pourquoi? Ezali mboka na binote. Vous mourrez pour rien, vous êtes un peuple idiot, stupide, une bande d'envieux, de menteurs. Vous êtes des idiots, je le répète, des imbéciles, vous les Rwandais. Avec votre président qui est trop laid, Nami Domayaki na Tchongo Rele, ça est Nyuki, Mavia Mamayaki. Diaspora, beaucoup dans la palais, bas combattants, beaucoup dans la palais, bas congolais, aux hommes monde entier, dans cinq continents, mon kilimo bimbabo, s'abonner à Congo Dialogue, info assure, et repèse à ma solo, dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolinani,
dialogue est sérieux, tout ça, mana. Bisonnier, ce va congolais, tout ça, le monde entier. Tout s'abonner, n'a comme dialogue info. Et si gagne, bah, comment, à moi, si quoi, y'a une idéologie. Facile, n'gende! Banamboka, na jongele bino na mpoko elelo, nko, ngo. Nko, ngo. Mokolo, oyo. Toko se libere. Mokolo oyo, mboka ekozonga na maboko na biso, esengeli tokende epai ya ba conservateur, ya ba kolo mabele. Pa de faux chef coutumier, neti ba oyo tomona ki baye na ntango ya investir ya ndeko Félix Tshilombo. Me ezali na ba kolo mabele. Oyo ba pesa nkombo ya solo na nkombo na biso, na mboka na biso. Oyo ezala ki deformete anse ni anka. Mpo, mboka na biso, ba mindele ba longola ka, ba tia yango se. Oyo ezala français, ba benga yango Congo. Alors que na Corée, et garda Congo nango avec ka. Kasi. Ba oyo ba yebi authenticité et sika kombo wana euta ba yebi ke kombo yango il faut ekomama comme NK. Nko ngo. Nko ngo. Ba Congo ba koyebisa bino ke elakisi mabele ya Nkoi. Le plus grand connaisseur, bayebi yango malambo. Alors, mokolo oyo, mboka kozongela biso, tokolongola se, tokolongola ka, liboso, tokotia en, mboka na biso, baba na kobenga yango, Nkongo, epe biso, bakobenga biso, ba Nkongole. Na ye ko féliciter camarade combattant, l'invisible Morning Star, dont je viens de suivre la vidéo, une livraison très pertinente. Naye ko féliciter ye mpo alobi makambo mingi oyo nga na lobaka kasi ye penza moto a BT7 sur ce point de gouvernement parallèle dans l'ombre qui dirige le Congo. Awa donc naye ko sala relais de ce que il a dit en passant. Mpe na invité bato nyonso boluka audio naye na YouTube tona ba réseau mususu pour vous rendre compte de ce que j'ai toujours dit et les autres sans doute qui ont le courage de le dire que ndambo muke ya baluba bayokisi baluba soni na Congo soni à cause de leurs intérêts privés, de leur connivence avec les occupants rwandais et ougandais qui ont remis le pouvoir entre les mains dans un culte, Félix Tshilombo, Mpe Bango, Bajera Kambo Kanabiso, dans l'ombre. Na sengi na bino de vous approprier le contenu de cet audio. C'est trouvable. Le camarade dont le sobriquet est Morning Star, bien qu'il demeure invisible, c'est pour sa sécurité, n'a pas mâché ses mots. Et tout le risque que nous prenons, c'est pour vous armer contre les mensonges que les ennemis ne sont pas loin de nous. Banguna, ezali, bande ya baluba wana, oyo bazoko betela, Félix Tshilombo Maboko. De deux, bato nyoso ya PPRD.
sans distinction, qui ont foutu notre pays dans la merde et qui sont restés des applaudisseurs des Hippolyte Kadjambere Kanembe. Et certains parmi eux ont continué et continuent à applaudir Félix. Pour vous rappeler, je m'étais attaqué à un certain Harry Maggi lors d'une émission comme ça où à l'obacino Félix Azamotonabiso, il parle comme ça à la légère. Azaki Azaki Kop Nabiso, Kop, donc Bozo c'est la Kop, la destin à pays Mobimba. Azaki Kop Nabino, et il riait, Kop Nabango. Tous ces gens-là qui continuent à applaudir Félix et à nous endormir. Je parle donc. Il y a Click, il y a Balouba, Jusseur, qui entourent Félix, les gens de PPRD, et surtout la presse. Cette presse qui a loué domicile devant un mur multicoloré qui se fait appeler Rumeur de Kinshasa, animé par une bande d'ignares, des applaudisseurs, Moana Koli, président René, ceci et cela. De mendiants et de flatteurs qui passent leur temps à raconter des balivernes au fil des jours pour nous montrer que Félix c'est un véritable dirigeant. Passer leur temps à applaudir la prostituée femme de Félix comme étant la distinguée première dame, alors que c'est elle qui a ravi et qui détient toute la sécurité du pays entre ses cuisses, ses aisselles et ses jambes. Et ils nous la font présenter, la distinguée première dame, pendant qu'elle travaille au bénéfice de ses frères Tutsi. Suivez l'audio de Morningstar. Il l'a bien détaillé. Il a bien dit avec détail. La Lingala encore, la distinguée première dame. Ils se remplacent l'un après l'autre pour endormir les Congolais et nous présenter l'image magnifique d'un président qui travaille alors que dans l'ombre, ce sont les Tutsis qui dirigent le pays. J'ai toujours parlé de Bizimana Karamouetou, d'Azarias Ruberwa. Et aujourd'hui, Abaki Selebino, qui est l'administrateur de la Banque centrale. Banani Bazo contrôler l'immigration. Banani Bazo contrôler la finance. Banani Bazo contrôler la police nationale. Il a tout détaillé avec des noms. Donc, vous, les gens de rumeur de Kinshasa, Naba Moussousou, qui ont ouvert des petits audiovisuels dans vos toilettes, cessez de raconter des mensonges aux Congolais. Le pouvoir n'est pas entre les mains de Félix. C'est un automate. C'est un robot qu'on utilise. Donc, ma Congolais, ma ennemi, ma Sali Mingi, il y a quelques minutes, je venais de vous parler, la Seigne Labino, Bokota na Gombe, na zone ya Gombe, Bokota partout, c'est que ma touche, ma Sali, délogez-les. C'est le verbe que j'ai utilisé. Ne vous arrêtez pas là-bas. Attaquez-vous n'a pas presse médiocre telle que Rumeur de Kinshasa. Attaquez-vous, même dans la voie du Zaïre où l'on passe du temps à jouer de la musique. Bokola Mukana Tongo, ma première émission, elle allait d'abord ma chanson religieuse. C'est dans quel pays? Bon, à Kabaran et Bastation, ma télévision, vous soutenez. Mais ça ne se passe pas comme ça. Bon, la Mouki, RTNC, 1, 2, 3. D'abord, ce sont des chansons, il y a un Zambé. Et ça va prendre une heure, deux heures du temps. Des émissions religieuses. Biloko Mingi. Pour vous endormir. Ba ennemi, Bazali Mingi. Ba église, il y a Pamba qui ne faut rien. Attaquez-vous à ces églises, brûlez ces églises. Oyo Balingiba qui n'a pas concert, attaquez-les aussi. Donc, la chaîne des ennemis est Zali Moulaï. Ne vous limitez pas seulement à l'ambassade. Non. Bon, s'attaquer à l'ambassade,
et puis na persibino ba cible mususu. La fausse presse, la presse, le média médiocre, Oezokoya Kola de Sabino, pour vous présenter l'image d'un président qui travaille. Un président incapable, souffrant d'une incapacité notoire de pouvoir prendre des décisions souveraines, n'est pas un président. Le premier traître, c'est lui. Attaquez-vous à Félix Tshilombo aussi. Autant que vous le faites à l'ambassade, à l'étranger, autant vous devez le faire naïe. C'est lui qui incarne la traîtrise Nabakor Orasinya. Attaquez-vous à la caravane de sa femme, Nabato Bazali Pembeni Naye. Les ennemis ne sont pas loin. Nasengi Nawazalendo de continuer à lutter, de ne pas respecter Biloko Bazokulbao, cesser les faits. Non. C'est possible. Bino Nemo Kanga frontière. Félix, sauf que vous allez très traiter. Pourquoi tu ne veux pas armer la population? Maintenant, la population est debout. C'est le moment. Mais armer la population pour vous débarrasser de ces enquiquinaires de Tutsi. Pourquoi tu gardes un mutisme? Et tu passes le temps à faire des interviews inutiles par-ci, par-là. Distraire les gens au Jean-Pierre Bemba accueilli sur le terrain. Pour faire quoi? Qu'est-ce font les soldats qui sont là-bas? Qu'est-ce font les armes que tu prétends avoir achetées? Oh, les géologues russes, Bakoumi et Lubumbashi, pour venir faire quoi? Les géologues vont travailler là où il y a la guerre. Pourquoi ne pas pacifier le pays d'abord avant que les géologues aient un minéré? Est-ce que les géologues aient un Mais cessez de mentir. Cessez de mentir. Les Congolais, ennemi numéro 1, Azali Félix. Ennemi numéro 2, Ezali Batutsi ou Bantouré, Ezali qui gouverne Wana. Ce sont eux qui administrent, qui font tout, qui prennent le pouvoir. Qui décide? Bangonde Bazoko Sabarwane, Kinshasa, si est tondi dans ma mercenaire, pendant que vous, vous êtes en train de danser, oh Fali Ipupa, oh Père Goro Abimisi, danse à Sikaso, qui fait le Goro, qui n'a le Kumbo, qui n'a le Wana. Le pays est rempli. Pendant que rumeur de Kinshasa, Zoko Yeb Sabino, tout va bien. Il n'y a pas la guerre, nous vivons bien. Soko Zoka, Ozolona, Moutoupamba, Wana, ceux qui René, nous sommes bien à la Congo, nous sommes bien. Il y a Zali bien parce qu'à Vimi si nous sommes foufou, pendant que les gens meurent au pays, et ils osent dire non, nous allons bien à Wa, nous allons bien. Le président, à ce que la politique est bien. Le camarade Morningstar vient de tout déballer, comme je l'ai toujours dit et je l'ai toujours fait. Mais il a fait plus que moi. Bravo, camarade Morningstar. Et continuons. Pour mettre fin à Clique et Baloubo, on a des flatteurs, de mendiants, de gourmands et de traîtres qu'il fouille. Vous vous êtes choisi un mur de Baloubo, vous remplacez l'un à l'autre pour raconter des mensonges. Les gens meurent à l'Est et vous êtes en train de blaguer. Bozokoum, c'est un traître. Une bande de voyous qui se font appeler des journalistes. Vous êtes des voyous. Qu'est-ce que c'est comme ça? Et vous, les Rwandais, je me demande si vous êtes un peuple normal. Avec tout ce que nous voyons et nous recevons comme image, bien que nous sommes Congolais, nous sommes Mingi. Mais nous avons koufa net ba cancre là. Et puis nous avons comprendre que nous sommes là. Mais Kagame vous utilise pour totalement réduire la démographie de chez vous. Bien on est bol barqué, vous allez minoritaire, vous n'êtes pas à la protéger, il faut pas protéger. Kagame, vous voyez qu'à Koukou fait la Congo pour la Nini. Parce que vous ne bénéficiez de rien. C'est une clique de gens qui vous font tuer. Kagame, ses amis et ses autres Rwandais qui sont nichés à Kinshasa là-bas, les Rubero, les Bizimana Karamou et tout, et les autres. Les degrés, ça se bouguera. Ce sont ceux-là. Ceux qui n'y a mon gabo, ceux qui n'y a mon, je ne sais pas quoi, n'y a mon fioto, tout ça. Ceux-là qui vous font vivre dans l'illusion que vous, étant des crapauds, vous avalerez un jour un éléphant tel que le Congo.
Vous vivez dans l'illusion, l'illusion comique et peut-être tragique. Parce que les jours où les choses vont se retourner contre eux, s'ils ont la chance, ils fuiront pour aller ailleurs. Mais vous, les petits Rouennais qui n'avez rien, nous allons vous rôtir et vous manger. Je le répète, hein? Nous allons vous rôtir et vous manger. Vous venez mourir au Congo, pourquoi? Zali Mboka n'a bien noté. Mais vous viviez très bien chez vous, avec ta inabino, ma papa inabino, ma patate douce inabino, ma madesso et pas inabino, mais vous viviez bien. Kagame azo kosabino, il prend les enfants d'autrui, azo kote na bango na front, bazo koufanete ba mpese. Et ses enfants azo konome bango, ba fana kana ba biro. Pourquoi il n'envoie pas ses enfants au front? Il vous envoie, vous, le Rwandais, pour venir mourir. Vous mourrez pour rien. Vous êtes un peuple idiot, stupide. Nous sommes contents, voilà. Naïdé, il y a hégémonisme que non. Et nous sommes plus intelligents, plus supérieurs que les Congolais. Si vous étiez intelligent, vous alliez inventer chez vous. On n'a jamais appris qu'un Rwandais a inventé quelque chose, à part le mensonge. C'est tout ce que vous avez comme richesse. Le mensonge et les fesses de vos femmes. C'est tout ce que vous avez. Vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous avez? Une bande d'envieux, de menteurs. Vous êtes malade, psychopathe, vous le rendez. Un seul individu vous fait massacrer comme ça. Il a commencé d'abord à vous massacrer. Elle est Tutsi. Elle est Hutu. Abomi bomi binonios. Kaka na Rwanda kuna. Et il continue encore à vous apprivoiser. Atteindre bino na front. Muna kuya kukufa ku Congo sabon. Nye banya Rwanda. Musiki yake. Moko ben abasimu ou bien. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous n'avez pas fait ça au Congo. Vous n'avez pas fait la musique au Congo, vous n'avez pas fait ça. Ça va mal, vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. C'est Kagame, les multinationales, sa famille et ses amis qui en profitent. Pourquoi n'y a-t-il pas de ça au Congo? Et partout, vous allez, non, nous avons besoin de votre protection. Nous sommes, vous savez, nous tous nous sommes une minorité. La minorité au Congo là-bas, nous sommes au Congo, nous avons été traités depuis des siècles et des siècles. Vous vous faites massacrer pour rien parce que vous êtes des idiots, je le répète, des imbéciles, vous le Rwandais. Avec votre président qui est trop laid, ni le français, ni l'anglais, il ne sait pas les parler. Et entendez la façon dont il parle anglais. Partout il va, rarararara. Nami domayaki na chongo kele, ça est nyuki. Mavia mamayaki. Et ceci, c'est pour le Congo de Lumumba. De Kimpa Vita. De Kimbangu. De Pierre Mulele. De tous les martyrs congolais. Et de tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Le Congo ne sera pas balkanisé. C'est une illusion. Passez votre temps pour rien. Oye na société, ba société belé, boyoka lesate. Dokoma na ba foyer, na ba foyer nene mongo. Papa na maman dialogue sate. Eko malobi, moi na bimi fase, akimi ndaku, moi na komi na balabala, moi na bonla na wenze. Pour nini, dialogue sate na ba foyer. Omoni lelo mindele, ba sangana ki, ba sali ero. Mbo mwen komi makasi, pona dialogue. Dialogue de sali dollar, les lots et salamakas. Dialogue de sali les lots livres sterling et salamakas. Y'a un moment dit dialogue est ça nécessaire, na vie na biso. Dans tout ça, dialogue est ça unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, vous soignez sur la Congo dialogue, série utile.